Bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode. J'ai pu remarquer que, comme vous voyez là, j'avais posé de la terre pour mettre des pousses d'arbres. Et le problème, c'est que la terre de champignons se propage sur la terre normale. Du coup, ça éjecte les saplings. Alors, ça que je vais faire, je vais faire une petite ellipse et je vais faire un peu modifier le terrain pour essayer de voir si c'est par rapport au biome ou si c'est juste la terre champignon qui se propage. D'ailleurs, j'avais mis des trucs à cuire, voyons voir. Non, ça doit être cuit depuis, oui, effectivement, heureusement. Alors, ta 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 ta, un bout de bois, je sais plus combien, je crois que ça c'est pour deux. Ah, je sais plus trop combien c'est, une planche de cuisson. Bon, on ira tuer des vaches, on verra ça. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoilà. Alors, j'avais voulu commencer par mettre de la terre partout, mais comme vous pouvez constater, j'arrive plus à parler, comme vous pouvez remarquer, c'est que bah, ça se propage. Alors, ça que j'ai fait, j'ai été chercher un peu de gravier et j'ai isolé. Alors, il m'en reste, oui, moi. Et puis, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Que je voudrais pas perdre du temps avec ça et mettre de la terre partout. Et en plus de ça, je n'ai pas d'herbe. Du coup, ça risque de faire moche. Et je ne veux pas trop que ça fasse un désert de terre. Je pense quand même qu'il va être temps d'aller un peu miner parce que bon, Minecraft sans minage, c'est pas du Minecraft. Quoique il y a de l'herbe là-bas, je sais pas comment on fait pour rester. De toute façon, ça était déjà là, pourquoi pas. Je pourrais faire ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Désolé, je sais que c'est pas très passionnant. Et je peux faire des trucs inutiles aussi. Mais ça, c'est bien moi. Ouais, ça repousse vachement vite quand même. C'est quand même la première fois que je joue sur ce biome-là, du coup je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah oui, ça va même sous l'eau. Enfin, sous terre. Ce serait pas, non? Bon.
C'est vrai que les premiers épisodes vont pas être très passionnants, mais on verra par la suite qu'est-ce que ça donne. Et puis j'ai pas mal de projets en cours, enfin en cours, en tête. Et j'espère bien qu'ils verront le jour. Et en tout cas, je suis enthousiaste par mes idées. Alors j'espère que... Oh là là, ça va être trop vite. Alors j'espère qu'elles vous plairont et on verra bien. C'est bon, ça commence à se répandre. Bon, on revient, je reviendrai. Là, ça s'est bien répandu par contre. Et voyons voir là-bas. Non? Oh, bah, tant mieux. Moi, j'espère que ça pousse quand même. On verra. Non, c'est une pelle qu'il me fallait. On pourrait se faire des soupes de champignons. Ah, dommage. Alors, hop, hop, hop. Voilà, je range. Alors, lui, il va être là. Non. Va me falloir des torches. J'ai du bois. Un charbon. Alors, il faudrait miner pour ça. Le truc, ça serait de faire un trou. Ou trouver une grotte, la surface d'une grotte. Là, il y a des trucs, mais à mon avis, ça risque de tomber sous l'eau et parce que c'est assez profond. Bon, ici, j'ai un peu miné tout à l'heure. Ouais, ça remonte par là. Alors ça que je pensais faire, c'est ici, un phare en haut, avec un escalier qui me tourne et qui me montre. Ici peut-être un port, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais ça viendra. Oh, t'es jolie toi. Coucou. Je sais pas si vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas,
Tuer un mob à main nue rapporte plus d'XP qu'avec une épée. Bon, c'est au cas où, la petite parenthèse. Tiens, pour se faire des soupes de champignons. Faudrait que je lui donne un coup. Et que je tape à la main. Ah oui, aussi une autre astuce. Si on tape un cochon sur le côté, on aura plus de viande. Et une vache dans les fesses. Et on en aura le double. Je voudrais peut-être des vidéos pour ça. Alors, pour l'instant, minage. On a dû avoir. Voilà. Je vais remettre ça là. Bah non, je vais la récupérer justement. Hop. Ils sont où? Ils sont là. Je vais pas poser le champignon. Alors. On va faire des torches. Oula. Hop. Voilà. Ensuite, une petite épée, on sait jamais si on tombe sur un mob. Alors, pioche pelle. Et on va se refaire d'autres pioches. Bon, de toute façon, pas trop le choix là. On va récupérer ça. Et hop. La nuit tombe. Bon, ça a pas l'air de pousser. Je suis vraiment déçu. Alors, je sais pas trop comment ça peut fonctionner. Alors, si je regarde le... Ah oui. Non, bon. On va les miner quand même. Puis, on verra bien. Bon, dommage. Logiquement, si on comme ça attaque, oh, je voulais garder avec moi. Allez. Un bol, ça aurait peut-être suffi. Bon, c'est pas grave. Alors, pour miner, ça qu'on va faire, bon, on va aller par là. J'ai plus de terre. Bon, de toute façon, on va pas aller très loin parce que j'ai pas énormément d'outils. Récupérer le fer déjà. Un truc en plus. Bon. Ça qui est bien, c'est que là on va miner et puis il n'y aura pas de mob. Hop, on va descendre comme ça. Bon, je fais vraiment un truc vite fait. Comme vous pouvez voir, le fait d'avoir la luminosité vraiment à fond permet de miner dans le noir. Et je vous assure que vous voyez super bien. Oui. Bon, je sais, certains diront c'est un peu de la triche, mais j'ai l'habitude de jouer comme ça et je trouve que c'est...
C'est plus pratique, et puis pour les vidéos, vous n'êtes pas dans les ténèbres quand vous regarderez la vidéo. Le problème, c'est que moi, je même si il y a la nudité basse, je verrai super bien, mais vous, c'est pas sûr que vous ayez la même nudité. Moi, je vais creuser, puis je vais continuer comme ça, puis on se retrouve en bas. À tout de suite. Donc, nous voilà arrivés à la couche 5. Et il y a de la bedrock. Et on va rester à ce niveau-là, parce que vu que la bedrock n'est pas plate, et j'entends de la lave d'ailleurs. Sais pas d'où qu'elle vient. Au passage, j'ai trouvé un petit filon d'or juste là. Alors il va falloir que je me fasse des outils en fer, ça sera plus pratique pour miner, sinon on risque de pas les avoir. Bon, je pense que ce petit tunnel là ne va pas être permanent, parce que je vais faire un truc un peu plus optimisé. Bon, ça a pas l'air de pousser là, c'est... Par contre, là-bas, c'est ça que je ferais bien, un petit truc. Alors, attends. J'irai le planter sur de l'herbe. Voir qu'est-ce que ça donne. Hé, ça a bien poussé. Bon. Et ouais, ça que je voulais voir. Alors là, nous sommes dans le biome Mushroom. Mushroom. Et là, océan. Et si je vais sur ces blocs-là, océan. Alors, ça veut dire que si je plante, peut-être ça pousserait. On va regarder ça. Et puis, je vais en remettre au-dessus, voir s'il y a une différence. Ça risque d'être problématique si l'herbe ne pousse pas. Enfin, l'herbe, les mauvaises herbes, et puis tout ça qui est récolte. Bon, on va faire quelques tests, on va voir. Ils ont une petite ombrelle. Il y a pépère. Alors, hop, on bouge un sac plutôt là. Alors, nous avons récolté du fer. Normalement, je crois que je me... Non, mais pas moi. Alors, hop, ils sont où mes blocs de fer? Charbon. On va faire le tri, tac, tac, tac. Non, le champignon, on a dit qu'on les gardait, ça pourrait être pratique. Oh, je les ai balancés, bon, c'est pas grave. Peut-être se refaire des fours. Bon, y a un truc qui me démange depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai, ça a changé. Il y a pas mal de trucs qui a eu. Il y a eu du changement dans le fer. Ok. Bon, on va attendre. Un truc que je n'ai pas remarqué, mais regardez, on voit les outils en 3D, je sais pas si c'était comme ça avant ou pas, mais non, je pense pas, mais c'est quand même assez magnifique. Minecraft nous réserve des surprises.
Bon, pour ceux qui n'ont pas remarqué, en fait, je suis en train de faire une cheminée. Et je vais cuire ça aussi en même temps. Tiens. Normalement, ça va m'en cuire deux, je crois. Ou quatre. Non, ce serait deux plutôt. Oui. Bon, justement, il m'en faut quatre alors. Alors, 1, 2. Ah, fais voir. Bon, on peut se prendre la tête. Hop, 2. Troisième. Et voilà, bon, on va laisser. Tadam! Demi-dalle. Dalle de pierre. Ça se pourrait. Et voilà une petite cheminée. Bon, sur cette cheminée s'achève cet épisode et je vous dis à plus.